à tous et bienvenue dans le 71e stream de la trompette. Alors Maridor, je vois que tu as été chercher des choses au conservatoire. Moi aussi, je suis revenu chercher un sac entier de choses, de partitions dont j'avais besoin puisque je ne savais pas quand on a fermé qu'on allait être confiné 3 jours après. Petit surfeur, donc comme je t'ai dit, on va faire demain un stream sur la trompette naturelle. Voilà, là j'avais envie de retravailler un peu du harban aussi, des choses un peu plus habituel pour moi aussi, pour mon travail personnel. Alors nous on est un peu dans l'interrogation parce que pour Toulouse on va reprendre la semaine prochaine pour les grands élèves qui préparent l'examen. Tu m'entends mieux là? Faut que je parle plus fort. Pour Toulouse on va reprendre nous les cours pour les grands, mais apparemment il y a un décret qui vient de dire qu'on peut pas rouvrir, enfin que les conservatoires peuvent pas rouvrir. Donc bref, on avance à vue un peu dans tout ça, mais bon, déjà on peut circuler. Alors j'espère que vous m'entendez mieux maintenant, je parle plus fort. Et on va reprendre donc notre défi harban. Donc on va voir où on s'était arrêté dans le défi harban. Voilà, il fallait que je refasse le 3 page 93 à 100, voire plus lentement, parce que c'était un que je ne maîtrisais pas trop. Parce que je ne m'en rappelais plus trop, c'est les groupes étaux mineurs. Alors, je vous cherche la bonne page déjà. 91, 92, 93. Hop. Donc, on va aller chercher. J'espère que j'ai pas fait une bêtise. La partition. Non, c'est bon. Hop là. Alors, on regarde ce que ça donne 100 au métronome. Normalement, c'est ça. Je l'avais pile. On va voir si ça a eu le temps de mûrir un peu depuis la dernière fois, sinon je vais ralentir le métronome. Celui-là parce qu'il m'embête, il y a beaucoup de troisième piston, etc. Il y a des doubles dièses, donc on travaille un peu. Je vais essayer de l'accélérer progressivement, donc là on passe à 82. Ta-d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 a-
Et 90. Voilà, donc on est passé de 80 à 90. Donc vous voyez, je vais pas aller plus loin là pour pas perdre le profit du travail et aller trop vite d'un coup. Mais en tout cas, vous voyez que cette technique du mouvement progressif là, elle fonctionne toujours. Donc on va continuer à 90. Dites-moi si vous galérez vous aussi sur celui-là. Moi, je le trouve assez chaud. Et on fait le suivant. Chaque fois, c'est l'avant-dernière hein, qui est difficile. Bon, et eh ben, je comprends pourquoi j'en avais pas un bon souvenir de celui-là. Je ne l'aimais pas quand j'étais étudiant. Et c'est vrai que je trouve que c'est le plus dur finalement des exercices. Mais en tout cas, on l'a fait. Alors ensuite, dans notre petit tableau, hop,
Dans notre petit tableau, on va aller page 99 et on va a priori faire le 26. Donc, je cherche le 99. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait, là, celui-là. Alors, c'est même plus page 99, c'est page 100, si je vois bien. Ouais, c'est ça. 26, page 100. Alors, je vais corriger. Hop. Ici. Je vous mets bien la partition. Et c'est parti. Ouais, il faut les bosser. Je vais refaire là celui-là maintenant parce que pareil, c'est l'exercice de Gruppetto. En fait, je les ai jamais fait, hein. Véritablement, j'ai dû les faire une fois quand j'étais jeune. Donc, on va faire ça pour faire un peu plus de musique puis un peu plus propre. Voilà. Ils sont sympas ces petits exercices de Gruppetto aussi. Alors ensuite, on va aller page 104, c'est pas bien loin. Travailler les doubles appoggiatures. Voilà, donc aujourd'hui, on se remet au boulot tranquillement. Alors, numéro 38, 103, 104. Le voilà. Avec un petit da capo, alors. Je vais regarder un peu ce que me dit mon métronome, mais allegretto, moi je dirais ça. Et j'étais pile dessus, et voilà. Donc c'est ça, allegretto, c'est 100 en gros. Ça.
un peu dans les catégories d'exercices, en tout cas, j'allais dire inconnus, mais en tout cas que je connais peu, parce que jamais, jamais, jamais j'ai travaillé ça. Donc c'est intéressant. Ensuite, on va aller page 106, travailler l'appoggiatura simple. Donc c'est même page 107, puisqu'on a passé une page, vous voyez, on avance. 46, page 107. Hop, je rappelle s'il y a des nouveaux venus que on utilise la version de Arban qui est sur Gallica pour faire ce petit défi. Et le but, c'est de jouer l'intégralité d'Arban. Donc 46, page 107. Andantino. Con espressivo. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme tempo? On va partir comme ça. Un bémol à la clé. Toujours, déjà, je vais vous baisser le micro. Toujours regarder l'armure, contrairement à ce que je viens de faire, pour éviter de faire cette erreur. Et voilà, pareil, très sympa, c'est pour travailler l'appoggiatura et ce qu'on appelle aussi les désinences, c'est-à-dire toujours pile, l'appui sur la première note, le relâchement sur la deuxième note, notamment dans le style classique, dans Haydn, Hummel, Neruda, il faut jouer les appoggiatures comme ça. Alors ensuite, on va à la page d'après. Et on va faire le numéro 50. Page 108, et là c'est sur l'appoggiatura brève ou la petite note. Hop là. Désolé, je prends mon temps, je viens de faire les cours. C'est la fin de journée, la concentration n'est pas au top, mais justement c'est pour ça que je voulais me faire une session de travail pour me rester focus un tout petit peu quand même en fin de journée. Alors. Allegro. Pam, 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 pam. Côté mozartien, très rigolo. Voilà pour cette petite étude. Ensuite, là, c'est des exercices courts, donc ça va un peu plus vite. Hein. Portamento, alors ça, ils sont intéressants toujours ces exercices. On va aller page 110 dans la méthode. Hop là. Et on va travailler le numéro 57. Je crois que je l'ai jamais fait non plus celui-là. Hop.
Alors, on regarde aussi le tempo du métronome. Donc ça va être un exercice chanté. C'est un bon exercice, ça, justement, sur l'avant-arrière, un peu. Les alternances, comme ça, médium et aigu. Très sympa. Ensuite, le tri. Donc, on va aller page 62. On va travailler un peu nos doigts, après avoir travaillé un peu les lèvres. Donc, 62, page 112. Je vérifie que c'est ça. Déjà, il faut que je change le nom de la page. 62, page 112. Et un nouveau follow, BLRFMD84. Alors pour les nouveaux follow, on fait le petit hymne. Bienvenue sur la chaîne et n'hésite pas à dire bonjour et puis nous dire si tu es trompettiste ou pas. Hop là. Et donc on va travailler. Le numéro 62. On va se mettre un métronome. Bugle les corps, sympa. Tu es dans quelle ville? Tu es élève ou professionnel? Avignon, eh bien, bienvenue. Bienvenue. Et on va le refaire celui-là. Donc vous voyez, il commence en fait à mettre en place la résolution des triés. Et je commençais à être un peu derrière le métronome, donc on va réessayer à 120. Mais pour que je sois un peu plus en place et que je ralentisse pas. Thank you.
Ça dépense de l'air hein, de faire ces exercices, hein, mine de rien. Donc, en tout cas, BLRFMD84, on est en train de faire aujourd'hui, c'est notre petite session intégrale de méthode Arban. Donc, le but, c'est qu'on fait un exercice de chaque catégorie dans Arban, et quand on a fini, on recommence et on avance comme ça d'un exercice pour, à terme, avoir travaillé vraiment toute la méthode Arban, puisque je m'étais rendu compte qu'il y a des exercices que je n'ai jamais faits en plusieurs années ou depuis lesquelles je le travaille. Alors, le mordant... Ouais, ça dépense de l'air, en effet. Le mordant, alors pourquoi j'ai écrit 83? Ah si, c'est ça, il y avait eu deux exercices avant. Donc ça fait 83, page 121. On avance d'une page aussi sur le mordant. Hop là! Le voici. Donc c'est encore avec un da capo, comme vous le voyez. Et on reprendra la première ligne et on s'arrêtera sur la première ligne. Alors, c'est bizarre comment il l'écrit. Yadidadidam. Je vais pas trop regarder la ligne du dessous et je vais le faire plutôt intuitivement avec la ligne du dessus. On peut le faire plus vite, mais il va falloir faire moins de battements pour le mordant. Et comme vous le voyez, on en a déjà parlé, donc là on a un mordant sur la partition, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est cette petite vague là, et donc on fait un aller-retour avec la ligne du dessus, contrairement au concerto de Haydn, quand il y a écrit... Il faut pas jouer ça, parce que justement c'est pas un mordant qui est écrit, c'est un mordant avec un trait au milieu. Et donc ça veut dire qu'il faut faire avec la note du dessous. Voilà, normalement, puisque ce n'est pas un mordant. Voilà, pour la petite histoire. Comme ça, vous apprenez des choses. Ensuite, intervalle. Et ben, on va aller faire le 3, page 125. Ça va pas être très loin. Hop, 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 hop. Ah oui, c'est les exercices d'une page, là. On va s'amuser. Pareil, les 1 et les 2, je les connais mieux. Celui-là, je le connais un peu moins. Hé, vous voyez, ça fait peur, il y a plein de notes. Il y a du grave, je déteste ça, ça va être la fête. Alors, quel tempo on va se donner? Ouais, oups. Ouais, mais à la guerre comme à la guerre, hein. Il faut y aller. Donc c'est parti, on essaye à 80 à la noire. Oui, c'est l'enfer celui-là, vous allez voir, je garantis rien. Ça passe, mais je fais toujours un petit ralenti au milieu pour aller chercher les notes quand même, parce que c'est difficile. Faudrait pas, mais pour l'instant, je sais pas faire sans. Alors, hop, vous avez la clé de sol. Ouais, son doigté, il est vraiment étrange, là, je le fais pas. On peut hein, faire le doigté pour Ré. Alors, attends, pour Ré bémol, il donne le doigté 3. Oui, voilà, donc tu peux. Hein,
C'est ce qu'on appelle un doigté factice, ça marche, mais pour moi, faire ta-ta-ta ou ta-ta-ta, c'est pas beaucoup plus dur. Bon. Mais c'était pour présenter, je pense, aussi les doigtés factices. Je rappelle que la méthode a été écrite peu après l'invention et la diffusion du cornet à piston. Et donc, c'était pour découvrir ce nouvel instrument. Et donc, je pense que là, c'est pour montrer les doigtés factices. Surtout si on le fait beaucoup plus vite après, ça aide. Et en effet, petit surfeur, ça, c'est de l'intervalle, hein. On n'est pas là pour rigoler. Allez, sol majeur, la troisième ligne. Il est méchant le harmon parce qu'à partir de la troisième ligne, il nous fait même descendre encore plus grave. Je vais le refaire celui-là. Il nous fait même descendre encore plus grave parce qu'il en rajoute. Ça depuis des années. Incroyable. Je vais ralentir là parce que c'est chaud. J'ai pas fait ça depuis des années, mais vraiment hyper longtemps. On va faire plus lentement celui-là, on va refaire mi bémol, hein. Un peu plus vite, 66. Donc là, hop, en fait, ces exercices-là d'intervalle, faut clairement s'appuyer sur la note du bas. Pop, 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 pop. Voilà. Le but, c'est de viser la bonne note, évidemment, de ne pas taper les notes à côté. Dites-moi, n'hésitez pas à dire comment vous en sortez chez vous. Ils sont vraiment difficiles. Et alors, ça fait longtemps. On fait souvent, c'est comme dans l'autre catégorie, on fait souvent les deux premiers. Et les 3-4, on les fait moins. Et du coup, je les ai vraiment moins en mémoire. Et bien, comme quoi, le fait de faire cette exploration de Harban, eh ben c'est l'occasion de revoir même les exercices qu'on veut pas trop regarder et qu'on ignore très souvent. C'est compliqué pour moi même sans métronome. Ouais, bah, vous voyez, bah, moi aussi je galère, hein, tu vois, je n'ai pas fait ça depuis longtemps. Et c'est un peu le but de ce défi Harban, c'est on s'épargne rien et puis au moins après on sait qu'ils existent ces exercices et puis si ça nous dit, c'est l'occasion après de les retravailler. Comme ça, moi, je me fais une petite liste mentale en me disant, ah tiens, ça, j'y reviendrai parce que c'est un peu chaud et je m'en rappelle un peu moins. Voilà, allez, on essaye Fa dièse. Refait.
Joe. Sol, on essaye à 72. C'est chaud. Bon, et puis je me rends compte que faire Arban après l'après-midi de cours que j'ai donné à mes élèves, c'est peut-être pas la meilleure idée. Alors, je vais noter dans notre petit cahier qu'on va le garder, celui-là. Retravailler à 66 à la noire, c'est pas mal. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler un peu de trompette naturelle. Donc on va repasser comme ça et je vais vous parler un peu de trompette naturelle. Donc, puisque c'était une demande de Petit Surfeur 69. Donc la trompette naturelle, moi j'en ai une ici comme ça. C'est trop long pour vous montrer dans l'écran, donc je vous montre en entier. Voilà, parce que cet exercice d'intervalle, je le travaillerai avec un peu de fraîcheur mentale. Tu reprends, alors bah, nous on reprend, on nous a dit qu'on reprenait uniquement pour les cycles spécialisés, pré-spé et fin d'études, qui doivent passer leur examen. Donc on leur fait quelques cours et puis ils vont passer leur examen, voilà, sans morceaux imposés, donc dans des conditions un peu particulières. Et en même temps, il y a l'air d'avoir un arrêté, un décret du gouvernement qui interdit les établissements d'ouvrir, donc je ne sais pas. Sauf dérogation du préfet. Peut-être qu'il y a une dérogation du préfet à Toulouse, je ne sais pas. Tout ça, c'est on avance au jour le jour. Mais en tout cas, c'est ça le projet. Donc, mais en tout cas, j'ai fait cours par internet, surtout aux élèves là tout l'après-midi. Donc, la trompette naturelle, c'est une trompette que j'ai, je vais vous en parler, qui est une trompette néo-baroque sur laquelle on peut mettre les embouchures habituelles, ce qui me permet de. Parce que sinon, c'est des embouchures qui ont des queues plus larges. Et des cuvettes plates, etc. Et donc, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle les trompettes néo-baroques. C'est Laurent Renault qui fabrique ça. Il est en France, à Fontenay-Rohan-Rohan, en Charente. Et voilà, c'est lui qui fabrique ces trompettes. Alors, le principe d'une trompette naturelle, c'est que c'est juste un tube, vous voyez, sur lui-même, qui est attaché avec un bloc de bois et une ficelle. Avec un petit pompon pour l'équilibre ici, et le petit poids que vous voyez qui est. C'est un bloc qui est par-dessus en fait, hein, l'air ne va pas dedans. Hein, c'est juste pour donner un poids aussi et puis donner un équilibre à l'instrument. Dans cette trompette, il y a trois trous. Sur cette trompette, il y a trois trous, vous voyez sur la branche ici. Alors, je précise d'ailleurs que je ne suis pas trompettiste baroque, hein, j'en fais en amateur, mais je suis trompettiste classique, donc je fais de la trompette à piston. Et donc c'est une trompette qui est en ré, sauf que comme on est en diapason baroque à 415, ça va sonner en do dièse. Et donc on va se promener comme ça sur sur les harmoniques. Oui, j'ai joué le Tédéum l'autre jour. Il faut retrouver une manière de souffler. Vous voyez, au début, je soufflais trop fort, comme dans la trompette moderne.
Et ça marche pas. Donc les trois petits trous que vous voyez, c'est pas pour faire les notes quand je fais le tri. Simplement pour faire le fa bécart, vous voyez, do, ré, mi, fa. Pour faire le fa bécart, si je ne lève pas le doigt, en fait, il va être faux, c'est-à-dire qu'il va être à la justesse des harmoniques. Donc. Voilà. Après, il y avait des systèmes de trompettes au début qui n'avaient pas les trous pour corriger la justesse et les compositeurs en tenaient compte, en fait, dans l'écriture de leurs morceaux. Alors, ce qu'on peut aller faire, c'est aller. Alors, tu mets des rallonges. Alors, il y a des trompettes qui ont différents tons. Celle-là, non. J'ai juste un ton, en fait, pour la passer en. Je vais y arriver. Attendez, je vous trouve la méthode de Vernet en même temps. Un instant. Parce que si je fais deux choses en même temps, je ne vais pas y arriver. Donc, méthode pour la trompette. Voilà. Version Gallica. Bon. Donc, non, j'ai juste un ton pour la passer en diapason moderne. Donc, si je vous repasse ici, on va cacher des Phi Arban. Je vais aller vous chercher la méthode de Vernet. Et on va regarder des petits exercices qu'on peut faire. Donc, d'ailleurs, petit surfeur, si tu es là, n'hésite pas à poser des questions puisque c'est toi qui voulais qu'on parle de la trompette naturelle. Donc, en fait, il faut savoir que la trompette, jusqu'en 1850, quand on écrit trompette sur une partition, c'est cet instrument-là. Et même un peu après, c'est-à-dire que César Franck, par exemple, il y a deux trompettes de cornet. Les trompettes, eh ben, elles font do, sol, do sur la partition. Alors. En changeant de ton, en effet, parce qu'il y avait des trompettes, on pouvait les passer en la, en sol, en si, en mi, c'est pour ça que c'est écrit ça sur les parties d'orchestre. Et donc elles faisaient les harmoniques, et à côté, il y avait les cornets, déjà à piston, qui faisaient les parties mélodiques. Hein? Berlioz, pareil, il a écrit un solo de cornet dans la Symphonie Fantastique, c'était le début de l'apparition du cornet. Alors vous voyez, par exemple, si je prends l'exercice 4, là, qui sert à sélectionner les harmoniques, on va le faire ensemble. Surtout, ça fait un mois que j'en ai pas fait, donc ça tape à côté. Et en fait, toutes les harmoniques, comme elle est basée une octave plus, vous voyez, c'est deux fois plus long qu'une trompette, donc elle est basée une octave plus bas. Ce qui fait que quand on est dans cette tessiture, on peut faire la gamme sur la tessiture, en gros, do aigu contrut, alors que à vide sur une trompette à piston, c'est à partir du entre le contrut et le biut qu'on peut faire la gamme sur les harmoniques. Mais du coup, on joue sur des harmoniques qui sont très proches. Vous voyez, là, il fait des liaisons do Vernet comme dans Arban. D'ailleurs, cette méthode, elle est bien à travailler aussi à la trompette moderne. Hein, mais c'était une méthode de trompette naturelle. Do Vernet, c'était le premier prof de trompette en 1820 au CNSM. Donc, vous voyez, il y a des exercices de détaché. Alors, je pourrais les faire en stream, mais comme quasiment personne n'a trompette naturelle, ça ne va pas beaucoup vous intéresser parce que vous ne pourrez pas jouer avec moi. Mais vous voyez, c'est que des exercices sur les harmoniques, il y en a des kilos, hein. Si je prends, je sais pas, le 83, par exemple. Cette trompette, elle a été construite aussi avec ce qu'on appelle un nano-harmonique. Donc là, je l'avais réglé pour faire de l'aigu. Et donc, vous voyez que ça roule un peu. Si je le recule un peu, normalement, je vais avoir plus de médium. Je refais l'exercice 84, vous allez voir.
Donc ça, c'était pas sur les instruments de POC. Je crois que c'est Feeling Music qui a développé ça. Et c'est comme sur une trompette moderne, si vous bougez les entre-deux, entre les pistons, en fait, ça change la résonance des harmoniques. Donc c'est très sympa. Bah oui, c'est une trompette pas connue parce que bah plus pratiquée, tout simplement. Alors ensuite, le si bémol, voyez, le si bémol dans l'étendue de chaque ton, corde de change, est par sa nature un peu bas. Cependant, le timbre est aussi beau et sonore que celui des autres notes. Il exige de la part de l'exécutant une attention particulière lorsqu'il se présente comme son soutenu. Donc je vous montre, vous allez entendre la petite fausseté du si bémol. Enfin, je peux le remonter à la lèvre, évidemment, hein, s'il doit être juste. Oui, alors les compositeurs, ils utilisaient cette harmonique parfois vraiment exprès. C'est-à-dire qu'ils écrivaient dans telle tonalité pour avoir une note un peu basse ou une note un peu haute. Bach le fait aussi beaucoup. Et en fait, c'est presque un contresens de les travailler, de les jouer maintenant à la trompette moderne, parce que c'est parfaitement juste et c'était pas nécessairement ce qui était souhaité par les compositeurs. Voilà, comme le solo de basson au début du Sacre du Printemps, où c'était écrit pour être un truc raté parce que impossible, et maintenant, comme tous les bassonistes sont devenus super forts et l'ont travaillé, ben, ils jouent ça avec un très beau son. Mais voilà, faut savoir qu'il y avait des notes qui étaient prévues pour être fausses, parce qu'en fait, c'est la justesse des harmoniques, comme d'ailleurs les clavecinistes baroques accordent leur clavecin comme ça sur ce qu'on appelle le tempérament inégal. Donc, après, il y a beaucoup d'exercices, vous voyez, sur les harmoniques, si je prends le premier par exemple. Exactement, c'est Bach qui a inventé le tempérament égal, c'est-à-dire les demi-tons qui sont à distance égale les uns des autres, ce qui n'est pas le cas des demi-tons dans la nature. Les notes ne sont pas égales comme ça. Tiens, bah, je vais vous faire tirer cette petite étude, c'est l'occasion. Donc là, normalement, c'est en ut. Bon, bah, moi, je vais la jouer en ré, hein, parce que j'ai pas de trompette naturelle en ut, et j'ai pas, elle peut pas passer dans tous les tons. Mais l'avantage de cette trompette, c'est que pour démarrer, on peut garder, donc c'est les trompettes néo-baroques, on peut garder son embouchure habituelle. Et puis elles sont vraiment très peu chères, hein, c'est près de 4 à 6 fois moins cher qu'une trompette naturelle qui vaut maintenant une fortune parce que c'est très à la mode. Et donc moi, comme mon but c'était déjà de m'y initier tranquillement, et ben je trouvais que c'était suffisant puisque, comme chacun sait, les musiciens sont très riches, j'ai préféré pas acheter une trompette trop chère au début. Et ben on va essayer cette petite étude, écoutez. Je me dis que quand j'avais commencé à travailler la trompette naturelle en stream, j'aurais dû travailler la méthode d'Auvernet parce que c'est plus facile que les Édouard Tard pour commencer. Alors on va regarder ça. Que la trompette naturelle à l'époque de Duvernay, c'était plus proche de la trompette de cavalerie. Ça ressemble un peu à des exercices de trompette de cavalerie. Une trompette naturelle, ça peut monter à 4000, 6000 euros. Hein. Voilà, et donc là, on est sur des trompettes qui sont. Merci, petit surfeur, un peu fatigué, je fais ce que je peux. Bah, si ça vous plaît, on pourra se faire des bouts de session à la naturelle, si vous voulez. Je l'avais fait au début du stream, mais c'est vrai que ça plaisait pas beaucoup. D'après les statistiques, les gens partaient quand je jouais de la naturelle, et je comprends parce que je suis pas spécialiste du tout. Mais voilà, les trompettes de Laurent Renaud, tu peux aller voir sur son site, c'est vraiment moins cher. Elles sont, y en a des modèles étudiants même, en dessous un peu de celui-là, qui fait, je crois, 600, 800 euros, etc. Donc c'est vraiment, elles sont vraiment bien.
Je trouve, pour commencer. Je fais la deuxième partie, je vais essayer. Ce qui est vraiment, ce qui est vraiment différent et que là je retrouve, et vous voyez, en fait, c'est pour ça qu'il faut le travailler. Hein. Merci, BLRFM D84. Je suis vraiment, je le répète, pas du tout spécialiste, vous pouvez l'entendre. Hein, il y a des très grands trompettistes naturels comme Jean-François Madoff, par exemple. Mais voilà, la difficulté, c'est que comme l'instrument est deux fois plus long, et bah, il faut vraiment allonger son air et puis détacher moins fort parce que vous l'entendez, toutes les notes sont très proches. Alors je vais rechercher dans mon mémoire, j'ai écrit un mémoire là-dessus. Si ça vous intéresse un peu, je crois que j'avais écrit un peu comment c'était fabriqué au début. J'en parle un peu. Donc je vais voir ce que j'avais écrit à l'époque. Donc la trompette se rencontre à travers les âges sous les noms différents de trompette, buzine, tuba, Trump, trombetta, trompe, tubecta, tromba, buccina, bien qu'il s'agisse véritablement du même instrument. Non, c'est pas très lourd, parce qu'il n'y a pas de mécanisme, t'as pas le mécanisme des pistons, donc pour le coup ça allège. En fait, c'est le bloc de bois presque est plus lourd que là où on la tient, c'est la partie la plus lourde de la trompette. Hein. Dans l'Harmonie universelle, Marin Mersenne, en 1637, présente la trompette naturelle comme la forme ordinaire de cet instrument. Cela a une influence directe sur le répertoire en raison de sa fonction principalement militaire. Le répertoire français de la trompette baroque a tendance à être limité et la musique virtuose, associée avec les cours et les villes allemandes des XVIIe et XVIIIe siècles, est pratiquement inconnue. S'il semble en effet que cette trompette soit prédominante en France au regard des partitions de musique française du XVIIe, ce n'est pas le cas d'autres pays d'Europe, si l'on pense par exemple à A Music for the Funeral of Queen Mary, qui nécessite l'emploi de la trompette à coulisses. Michael Praetorius écrit dans Syntagma Musicum que certains font faire des trompettes enroulées comme un corps de postillon ou comme un serpent. Au début du siècle, Praetorius présente la trompette associée au cornet à bouquin et à la sacboute. Donc en France, les fabricants de trompettes ou les faiseurs de trompes étaient adjoints aux forcetiers, c'était les fabricants de forces ou de ciseaux pour tondre les moutons, et aux chaudronniers, et auraient été principalement originaires de l'Auvergne, d'où provenaient également la plupart des familles de trompettes du roi. Donc, notamment les dynasties d'Hérode. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les facteurs de cor, trompettes et timbales sont rattachés à cette corporation. C'est à Nuremberg qu'apparaissent les premières innovations en matière de lutherie de la trompette, bien que l'iconographie française suggère que ces nouveaux modèles de trompettes n'ont pas été employés dans notre pays. Et donc là, je vous montre, il y a une planche avec. Voilà. Vous voyez tout, ça c'est dans l'Harmonie universelle de Marin Mersenne et donc toute la famille des cuivres de l'époque. Voilà, donc en France c'était en Auvergne qu'on les fabriquait, vous voyez, c'était les chaudronniers, donc c'était complètement artisanal aussi. Donc c'est vrai qu'il y en a qui disent oui, une vraie trompette naturelle, il faut ci, il faut ça. Vous savez, au 17e, au 16e et tout ça, on prenait un bout de cuivre, on tapait dessus, on faisait une trompette comme ça à l'arrache et puis ça marchait ou ça marchait pas quoi. Les tours des églises protestantes en Allemagne à l'époque baroque et même dans les beffrois des mairies, je vois très souvent, les gens connaissaient les arias. Oui, ça c'est vrai, et en Allemagne et en Europe de l'Est, il y a cette tradition de trompette en haut des tours et des beffrois, etc., pour, à certaines heures de la journée. En France, c'était vraiment, vraiment un rôle militaire, et on le voit dans d'Auvernet, 1820, bon, bien après la Révolution, hein, quand il écrit ses petits airs, ça sonne vraiment un peu trompette de cavalerie, garde républicaine, choses comme ça, et c'est moins. C'est moins les airs très virtuoses qu'il y a en Allemagne, où il y a vraiment des trucs
des trucs beaucoup plus élaborés, des pièces beaucoup plus élaborées. Mais en tout cas, bah, c'est vrai que ça me donne envie aussi d'explorer cette méthode d'Auvernet. Donc, on va faire un mini sondage express. Hop là. Je vais vous faire un petit mini sondage express. Pour savoir si ça vous intéresse qu'on fasse un peu de trompette naturelle en stream ou pas. Et voilà, donc vous avez 2 minutes pour voter, c'est en haut du chat. Vous cliquez sur la petite flèche, hop, ici, vous voyez, il y a une petite flèche en haut à droite. Vous cliquez dessus et vous votez, et vous avez 2 minutes pour voter, et on va voir les résultats. Et en attendant, bah, je vais vous jouer un petit morceau, comme ça m'entraîne aussi, parce que. Ah, j'ai quitté ma méthode de Vernet, c'est pas très malin. Je vais la rechercher. La voilà. Hop. Vous voyez, il y a même des duos et tout ça, c'est sympa. Faudrait qu'on les fasse avec Fabien, d'ailleurs, on s'était dit ça. Alors, est-ce que ça, c'est les coups de langue? Elles sont où les petites études? Donc là, il y a des duos. Plein, cela dit, je peux faire une voix d'un duo hein, parce que je sais pas du tout comment marche cette méthode. J'avoue que je la connais pas bien. Voilà, tiens. Ah, justement, on a les appels militaires. Tiens, ça va être rigolo. Les appels militaires, mais époque post-révolution. Donc, on a la marche. Après, on a la charge. Je vais monter un peu le micro parce que je crois qu'il supporte. Ah, mais vous, attendez, il y a un problème de partition, vous ne l'avez pas sous les yeux. Excusez-moi. Voilà. Donc c'est les sonneries militaires de l'époque. Ensuite, on a le ralliement. Ah, et ben vous avez voté. Oui, donc on fera de la trompette naturelle un peu en stream aussi. Je vous montre là les petites sonneries parce que c'est rigolo, historiquement. Le ralliement. Vous voyez, il y avait même une sonnerie pour le repas des chevaux. Le pansage, l'abreuvoir, la soupe, tiens, puisque c'est bientôt l'heure. Voilà avec quoi les armées de Napoléon allaient manger, le rassemblement de la garde, le banc. Donc vous voyez le banc, si on fait ouvrir le banc, fermer le banc, en France c'est yap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 . Et ben en 1820, voilà ce que c'était pour ouvrir le banc. C'est presque la même encore aujourd'hui pour la soupe. Ah oui, je connais pas la sonnerie de la soupe. J'ai été pompier, j'ai fait pas mal de sonneries militaires, etc.
Mais je ne faisais pas la soupe. Alors les corvées, les distributions, l'instruction, vous voyez, il y a des... Le pas ordinaire et à l'étendard. Le cessez-le-feu, yam padadam, pam 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 pam. Les sonneries des tirailleurs, vous voyez, pour faire des signaux en fait. Donc c'est rigolo, hein. Il y avait vraiment cet esprit militaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait vu que Joseph Forestier, il était professeur de cornet pour les élèves militaires. Et en fait, Arban a été le premier professeur de cornet à Pisson pour les élèves civils. Donc il y avait vraiment les deux. Même, il y a une photo, je crois, en 1880 ou 90, qui est sur Gallica, de la classe de cornet à Pisson au CNSM. Et il y a plus de la moitié des élèves qui sont en uniforme. Ça montre qu'il y avait encore un rôle militaire très important. Pour cet instrument, bah écoutez, puisque ça vous plaît, on en fera un peu aussi. Après, le côté un peu moins sympa, c'est que vous ne pouvez pas jouer en même temps, et puis que moi je galère parce que c'est pas du tout ma spécialité. Mais c'est vrai que j'avais envie d'apprendre un peu et d'en faire. Donc voilà, c'était un petit stream un peu court aujourd'hui, mais c'était pour m'y remettre. Mais c'est vrai qu'après la journée de cours, c'est peut-être pas très malin. Donc je vais essayer soit demain, soit après-demain matin. De reprendre les streams. Comme d'habitude, eh ben vous pouvez suivre ma page Facebook parce que vous aurez les informations de à quelle heure on fait les streams de la trompette. Les streams, ils sont ensuite rediffusés sur YouTube, donc en replay. Vous pouvez les retrouver, les réécouter, retravailler les exercices, etc. Si ça vous intéresse ou voir les différents que j'ai fait sur les différentes méthodes, eh ben avec plaisir, Marie-Laure. Pareil. Avec plaisir, petit surfeur. Je vais regarder si hop, il y a quelqu'un qui est en train de streamer pour aller faire un raid. Il y a toujours Ace Radio, mais je vous ai déjà envoyé vers lui la dernière fois. Je regarde un peu sur mon téléphone si je vous trouve une chaîne sympa. Marlou? Ah, je connais pas Marlou. C'est Marlou son nom sur Twitch. Je regarde avant ce que c'est hein, pour pas vous envoyer vers n'importe quoi, si ça veut bien marcher. Internet est capricieux. Voilà. Alors, je vais regarder Mar Marlouck. Et ben oui, c'est de la harpe, ça a l'air sympa. Bon, j'ai une pub, mais je te fais confiance, Marie-Dore, on va aller voir Marlouck. Je vais découvrir avec vous, hein, c'est l'occasion. Hop. Et on va démarrer un raid. Ouais, l'accordéon c'était sympa, il y est encore, mais c'est que j'essaie de varier un peu. Comme ça, on découvre aussi des nouvelles chaînes. Et c'est sympa. Et bah, c'est parti, on va voir Marlouk.